Nous amorçons la toute dernière ligne droite de cette émission, émission consacrée aujourd'hui à la crise anglophone, où nous posons la question de savoir comment régler cette crise. Sur ce plateau, la configuration n'a pas changé. Et M. Félix Mbayou représente le candidat Paul Biya. M. Sam Séverine Ango représente le candidat Ndifor Afanwi. M. Nekdem Asongbo, lui, ne représente aucun candidat. Il est journaliste, analyste politique. Et M. Parfait Mvoum, qui représente le candidat Joshua aussi, chers téléspectateurs, continuez par nous envoyer vos réactions, continuez par interpeller les panélistes sur ce plateau. Mais nous, on va continuer parce que tout à l'heure, on va recueillir quand même l'avis de l'homme de la rue, qui a son mot à dire aussi. Mais avant, je vais donner la parole à M. Asongbo. On a parlé de telle pause revient à un francophone ou bien à un anglophone. Est-ce que, en ressortant ces petits aspects-là dans la crise qu'il y a aujourd'hui, dans les revendications, est-ce qu'on n'est pas en train de biaiser un peu le problème de fond? En effet, on biaise le problème. La question des postes a été évoquée. Elle est même évoquée à un moment donné par, au sein de la population anglophone. Mais ce n'est pas le point critique de la crise. On peut nommer même la moitié des anglophones. En fait, on peut nommer les anglophones à la moitié des postes au Cameroun. Je ne suis pas sûr que dans la configuration actuelle, on aura résolu le problème. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il y a quand même une crise de l'élite chez nous. Il y a une élite, aussi bien dans les régions anglophones que dans les autres régions du pays, qui confisque les avantages et dit parler au nom d'une population. Pourtant, cette population ne profite pas véritablement de cela. Et c'est également la même chose. Comment est-ce que l'élite confisque? Parce que normalement, dans un État normal, oui, dès qu'on a pris une décision, on veut, par exemple, implanter un projet dans une région, oui, on voit le projet. Donc, ce n'est pas l'argent de l'élite. Oui. Ce n'est pas l'argent de l'élite. Donc, il y a un projet dans une région, on fait le projet. N'oubliez pas qu'il y a un contexte de mal-gouvernance. C'est-à-dire, on nomme des ressortissants des régions du nord et du sud-ouest et on dit on a nommé vos frères. Mais cela n'empêche pas que, véritablement, les préoccupations locales ne sont pas résolues. Donc, il faut véritablement bannir la question des postes. C'est essentiellement la question de la... S'il faut parler peut-être des postes, on peut parler de la répartition juste, équitable des richesses, aussi bien dans les régions anglophones que dans les autres régions, première chose. Maintenant, la crise anglophone en elle-même a plusieurs dimensions et je sais que le ministre le sait. Il y a une dimension psychologique. La dimension psychologique, celle-là, elle est appliquée à toute la population. Moi, j'ai grandi dans un contexte où, à un moment donné, être anglophone voulait dire qu'on est inférieur. On était inférieur. Il y a eu des expressions. Bamenda. Bamenda, c'est une ville. Ça fait, d'ailleurs, c'est le chef de la région du Nord-Ouest. Mais Bamenda voulait également dire que on est idiot, on est gauche, on est moins valorisé. Voilà. Vous voyez, il y a eu... Et ça a été... Ça irradie à un moment donné la société camerounaise. Et je dis, il faut se mettre à la place de cette communauté pour vivre le mal-être qui peut être le leur. Ça, c'est la dimension psychologique. Il y a la dimension culturelle. À un moment donné, les populations anglophones se sont rendues compte que culturellement, bon, quand je dis culturellement, il s'agit de l'héritage anglo-saxon qui est le leur, hérité de la colonisation. Qu'à un moment donné, cet héritage-là était voué à disparaître. Et on ne peut pas le nier. On ne peut pas dire aujourd'hui, nous étions d'abord le Cameroun allemand. Vraiment. Parce que s'il faut le dire, qu'on dise aussi aux Camerounais francophones d'abandonner leur culture francophone qui est là. C'est une réalité. Il y a un attachement à cet héritage francophone. Merci, et anglophone. Je finis sur le dernier aspect qui est maintenant sur l'histoire. Il est historique et politique. Je vous ai parlé de l'effacement de l'entité Cameroun
occidentale à un moment donné, même dans le cadre institutionnel du pays. Aujourd'hui, le Cameroun s'appelle République du Cameroun, qui est en fait l'appellation du Cameroun francophone de 1960. Comme si le Cameroun anglophone arrivé en 1961 n'a jamais existé. Donc, c'est une frustration. Donc, changer de dénomination, c'est cela pour que ça... Il faut que cette entité-là se sente exister dans l'État. En tout cas, nous allons aborder maintenant un côté quand même pratique par rapport au fond dans le fond des revendications, parce que on n'en a pas encore parlé ici. Parce que quand vous approchez vraiment les gens, ils parlent de soit on veut le sécessionnisme, soit on veut un État fédéré. Dans tout cela, où est-ce que vous vous situez, monsieur Mvoum, dans ces genres de revendications? Parce qu'on entend, on dit que le Cameroun est un et indivisible. Bien entendu que tous les pays sont indivisibles. Ce n'est pas une particularité camerounaise. Mais dans ce contexte-là, que certains arrivent à dire non, nous voulons notre indépendance. Non, nous voulons que vous réorganisez l'État pour qu'on fasse du fédéralisme. Dites-nous concrètement, quelle est l'école qui doit dicter sa loi dans ces deux? D'abord, vous avez raison de dire que le fait de parler d'un Cameroun un et indivisible, c'était une très mauvaise formule, parce que le fédéralisme ne signifie pas la désunion. Et justement, l'amalgame du pouvoir a fait que les uns et les autres se sont perdus dans cette affaire. Je vais vous prendre un titre d'un organe de presse public qui mettait ni fédéralisme, ni sécession, ni fédéralisme. Vous parlez de quel organe de presse? Cameroun Tribune, oui. Et la CIR TV. Or, Cameroun Tribune, c'est le journal du service public, c'est du ça? Du service public. Ouais. Or, vous avez un parti politique comme le SDF dont le projet de société et le programme du candidat tournent autour du fédéralisme. Et on interdisait même sur des plateaux de télévision de prononcer le nom du fédéralisme. J'ai dit sur des plateaux de télévision, le ministre de la Communication a sorti des notes, le président du Conseil national de la Communication a sorti des notes visant à ne pas parler de cette forme de l'État. Voilà les amalgames. Et justement, vous vous rendez compte que depuis 1996, il y a une forme de l'État qui a été mise sur pied, c'est-à-dire la décentralisation. Cette décentralisation, si au moins elle était appliquée, on aurait réduit, n'est-ce pas, la frustration. C'est-à-dire que les gens d'Oba, les populations d'Obala se sentiraient plus à l'aise parce que ce qu'elles produisent leur permet de vivre. C'est pour vous dire donc que... Dans cette partie de l'émission, on va tenter des approches de solutions. On va y arriver. Oui, mais justement, vous avez une question. Vous avez une question qui vous est destinée par Femvoum. Qu'est-ce que votre parti a entrepris jusqu'à ce jour pour sortir le pays de cette crise dite anglophone? La question vient de Stéphane depuis Ngaoundéré. Merci Stéphane. Le SDF a fait beaucoup de choses, notamment, dès le début de la crise, nous avons appelé le pouvoir de Yaoundé à un dialogue inclusif. Nos députés ont marché à Bamenda et à Bouya pour demander d'arrêter la violence. Nous avons fait le chairman Ni John Fondé a fait des déclarations en direct de la télévision nationale pour demander à Monsieur Biya de se rendre dans ces zones. Le 20 mai passé, nous avons défilé torse nu pour dire aux Camerounais et au président Biya devant toute la communauté pour leur dire que la crise ne fait que s'enliser, il faut faire quelque chose. Mais nous avons eu en face, mon cher, uniquement l'arrogance et le refus de dialoguer, de résoudre. Et j'ai pas envie d'ajouter qu'à l'Assemblée nationale, ils ont essayé un débat. Nous avons fait demander que ce problème soit posé sur la place parlementaire, un lieu de discussion et d'échange. Le pouvoir a refusé. Merci. Donc, s'il te plaît. Oui. Et pour chuter, donc, le SDF a fait ce qu'il avait à faire par rapport à cette crise. Mais malheureusement, et nous avons l'impression, et ça c'est une impression,
que le pouvoir de Yaoundé a voulu cette crise. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs déplacés de guerre qui ne peuvent pas voter. Et c'est un problème. Et pourquoi le pouvoir l'a fait? Certainement pour fragiliser une partie de notre électorat. Merci. Donc voilà un peu la réponse que je peux donner. Monsieur Angou, fédération, sécession, vous êtes de quel côté? Oui, le candidat Franklin Difford Afanoui, que je représente, a déjà indiqué la forme de l'État qui lui convient. Et la plupart des États-majors sont à peu près d'accord parce que ça peut être une décentralisation accentuée, ça peut être une régionalisation, ça peut être le fédéralisme pour lequel nous rapprochons. Mais je voudrais quand même m'étonner de ce qu'on puisse demander à un représentant d'un parti de l'opposition, qu'est-ce qu'il a pu faire pour solutionner la crise? Ça, c'est la question. Parce qu'à la limite, aujourd'hui, ceux qui sont aux affaires, les gouvernants, c'est eux qui ont la solution entre leurs mains et ils refusent de l'implémenter. Monsieur Mvou a cité pas mal de faits. Non, ce sont que des préconisations, mais à la limite, ça ne pouvait pas aboutir. La vraie clé de la solution est entre les mains d'un régime qui a fait la sourde oreille jusqu'ici. C'est pour ça que pour nous, on n'attend plus rien de ce régime-là par rapport précisément en cette crise, parce que ceux qui l'incarnent ont fait la démonstration de ce qu'ils ne sont pas capables de gérer la question. Je vais vous donner la solution tout à l'heure lorsqu'on reviendra sur l'ébauche de propositions. Mais je voudrais quand même rebondir sur ce qu'a dit monsieur Assongmo concernant la question des élites et des nominations. Je suis désolé, c'est l'une des grandes, j'allais dire, tard du régime en place. Et ça ne concerne pas que cette région. Parce que si vous voulez donc qu'on en reparle, j'ai évoqué le cas tout à l'heure du ministre, l'ancien Premier ministre, monsieur Moussongue. Il n'y en a que lui. Alors, il n'y en a pas que lui. Il y a le cas de l'actuel Premier ministre. Monsieur Yan Filémon est ministre depuis le temps du président Yidjo. Vous ne le savez peut-être pas. Dans les années 70 et 80, il est toujours aux affaires jusqu'à ce jour. Très récemment, monsieur Mbayou, monsieur Biya a à nouveau nommé comme président du conseil d'administration de l'hôpital général de Yaoundé, quelqu'un qui a déjà été ministre, vous pouvez me rappeler son nom que j'oublie quelque peu. Ce sont les mêmes personnes, c'est-à-dire que vous tournez entre vous et c'est ça qui... C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est un problème fondamental au Cameroun. Parce que le Cameroun est un pays d'intelligence, on ne peut pas faire la rotation du pouvoir entre simplement une caste de personnes. Donc, le problème, ce ne sont pas les postes. Au niveau des postes, on peut donc aller chercher. On peut donc aller chercher également parmi d'autres familles qui sont là-bas dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, s'il n'y a pas des têtes bien faites. Bon Dieu, même au niveau de la diaspora, on peut en trouver. Donc, on ne peut pas donc supporter tout le temps que ce soit les mêmes personnes. Vous-même, vous êtes en poste depuis bien des années aujourd'hui, alors qu'on peut, vous pouvez commencer à céder la place. Je suis là depuis 6 mois. Mais je vais dire dans les arcanes du pouvoir, de toutes les façons. Vous y êtes. Monsieur Angou, merci beaucoup. D'abord, pour donner la parole à monsieur Mbayou, d'abord une réaction d'un téléspectateur. Il dit bonsoir au panel. Félix Mbayou, pourquoi depuis la mise en place de la constitution de 1996, c'est après la réclamation des enseignants et avocats qu'on décide de créer la commission du bilinguisme au Cameroun? Répondez très précisément à cette question, parce que l'autre question vient derrière, qui viendra de moi-même. Répondez à cette question. Non, disons, depuis 1996 qu'on a mis en place la constitution qui consacre le Cameroun comme un État unitaire décentralisé, il y a eu beaucoup d'actions. Non, M. le téléspectateur est pressé, il dit, pourquoi la commission... La commission de bilinguisme a été créée, c'est un cadre de concertation pour traiter des questions qui ne sont pas corporatistes. C'est créé dans un cadre donné, c'est-à-dire que j'explique bien à ce téléspectateur. Le téléspectateur s'appelle Kandem Joseph de Bafoussam. Monsieur Kandem de Bafoussam, tous les problèmes qui avaient une nature corporatiste, on a créé un cadre. Mais il y a des problèmes qui vont au-delà de ces questions corporatistes. Voilà pourquoi le chef de l'État a créé cette commission de bilinguisme et de multiculturalisme pour connaître de tous les autres problèmes. Il faut qu'il engloutit des gros montants récemment, l'actualité des 700 millions pour des matériels roulants. Monsieur Angou, vous venez de me dire de ne pas vous interrompre. Non, et c'est ce que vous faites. Écoutez, d'accord. Mais non. Le matériel, cette commission, pour travailler, a besoin du matériel.
C'est-à-dire, on demande aux membres de la commission de faire le tour du pays. Ils ne vont pas faire ça à pied. Vous avez répondu à la question. Maintenant, répondez à la mienne. Parce que M. Mboum, dès qu'il prenait la parole tout à l'heure, il dit qu'ils ont fait des propositions. Mais en face de ces actions qu'ils ont menées, ils auraient trouvé que de l'arrogance. Et dès que vous mettez les choses en place, ce n'est pas exclusif. Vous excluez certaines personnes qui auraient pu compter quand même pour qu'on ait de bons résultats. Et il estime, comme M. Angou aussi dit, que le pouvoir camerounais tourne au sein des mêmes personnes qui tournent depuis la nuit des temps. Il a même donné des exemples. Il a donné des exemples, par exemple, du Premier ministre qui serait là. C'est vrai que c'est votre patron, vous n'oserez pas parler mal de lui, mais il serait là depuis très longtemps. Est-ce que c'est des signaux forts pour des populations qui ont des aspirations légitimes? Je crois qu'il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, un mélange des éléments. Quand nous parlons de dialogue, n'est-ce pas? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le gouvernement a toujours prôné le dialogue. Mais il y a une question de comprendre ce qu'on entend par dialogue. Pour certaines personnes, le dialogue, c'est un événement où on invite les gens autour de la table. Mais pour le gouvernement, le dialogue est un processus de cristallisation des avis, des idées et des opinions. Et voilà pourquoi, dans tout ce qui se passe depuis, il y a des contacts avec les différents leviers de pouvoir, d'autorité dans la société. Donc la société camerounaise, comme toute autre société, a des leviers d'autorité administratifs, religieuses, traditionnelles. C'est avec ces personnes qu'il y a eu des contacts. Et de tous ces contacts, qu'est-ce qui en ressort? Que tout le peuple camerounais, et surtout ceux de ces deux régions, veut une administration de proximité. Ces gens veulent s'administrer. Bon, on a parlé des questions de route. Effectivement, la plupart de ces gens souhaiteraient que certaines choses qui peuvent être réglées sur le plan régional puissent être faites. Voilà pourquoi le chef de l'État a dit ceci, que le processus de la décentralisation sera accéléré. Et pour le faire, on a créé un ministère de la décentralisation pour mettre en place les textes qu'il faut pour régler les petits problème des incompréhensions. Ce ministère continue de nommer les délégués du gouvernement, de les installer précisément pour renforcer le rôle de l'État. Ce ministère ne nomme pas à ce que je sache. Et s'il vous plaît. Finissez là-dessus, s'il vous plaît. Ce ministère, à ce que je sache, sauf si je vis dans un autre pays, je ne sais pas, depuis le mois de mars, je ne connais pas le délégué du gouvernement qui a été nommé par ce ministre. C'est dans ses prérogatives. Mais les délégués du gouvernement, justement, n'apportent rien du tout. Finissez là-dessus. Donc, pour dire ceci, il y a ce processus de dialogue qui continue. Et de ce dialogue, comme j'ai dit, c'est un processus de cristallisation. Il est évident maintenant que dans les deux régions, comme dans toutes les autres régions du Cameroun, le peuple veut une administration de proximité. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Et voilà pourquoi le chef de l'État lui-même a dit que le processus de la décentralisation sera accéléré. Bon, Monsieur le ministre, voilà. On va passer à autre chose. La crise des anglophones, chers téléspectateurs, vous qui venez de nous rejoindre, sachez que ce n'est pas juste une question de quelques régions aujourd'hui, c'est devenu une question nationale. Tout le monde en parle et dans ce cadre, nous avons promené nos micros auprès de certains Camerounais. Écoutons ce qu'ils nous ont dit. C'est un micro-trottoir de Viviane Bauken. Il faut seulement le dialogue, il faut dialoguer et la crise finira. Ah oui, si les anglophones sont fâchés, il faut que vous compreniez que les anglophones sont fâchés. Le dirigeant principal de ce pays, Son Excellence M. Paul Biya, qu'il aille dans les zones anglophones, qu'il parle avec ces personnes-là. Chacun devrait avoir un peu plus d'autonomie parce que nous sommes dans un état largement déconcentré. Que les leaders de ces partis en crise puissent s'entendre parce que là aussi, nous voyons, selon nos analyses des jeunes Camerounais, nous observons qu'il y a un conflit d'intérêts. Que le nouveau président puisse résoudre intégralement le problème de la crise anglophone au Cameroun. Je souhaiterais d'abord que mes chers frères anglophones déposent d'abord les armes, qu'ils arrêtent toute exaction et qu'on revienne au dialogue. Je pense qu'on devrait donner un peu plus d'autonomie à chaque région. Regrouper tous les acteurs de cette crise sur une même table et qu'on puisse ressortir de la table avec une solution fiable.
Quand on s'intéresse à la crise anglophone et on va en profondeur par rapport aux solutions, quand on voit les gens qui disent on veut le sécessionnisme qui est la sécession, d'autres qui disent qu'il faudrait qu'il y ait un fédéralisme qui s'instaure, mais je constate que la plupart des Camerounais ne veulent pas entendre de cela parce que pendant que non, le Cameroun il est un, il est indivisible, mais dans le même temps, ces mêmes Camerounais reconnaissent qu'il y a des régions qui sont quand même pas bien servies. Monsieur Assongo, comment est-ce que vous expliquez cela? Fédéralisme, beaucoup n'en veulent pas. Sécession, beaucoup n'en veulent pas non plus. Mais dans le même temps, on reconnaît qu'il y a certaines régions qui sont marginalisées. Il va falloir trouver une solution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non. Sécession, il y a un consensus national. Ça, on peut le dire. Les Camerounais n'en veulent pas. Les Camerounais veulent. Il n'y a pas eu de sondage sur la question, hein? Oui, parce qu'il y a des gens quand même qui en veulent. Non. Je dis bien les Camerounais dans leur grande majorité. C'est-à-dire, s'il y avait une véritable volonté de sécession, cela se matérialiserait. Ça, c'est. Maintenant. Donc, sécession, jamais. Non, je dis. Non. Et là, je vais m'exprimer. Moi, je peux m'exprimer comme simple citoyen. On ne peut pas. Favoriser une sécession. Toutefois, il y a une demande claire de discuter sur la forme de l'État. Il y a une demande claire. Et j'invite le gouvernement à accepter cela parce que c'est un point critique de la crise anglophone aujourd'hui. Et jusqu'ici, le gouvernement refuse. Je ne sais pas de quoi est-ce qu'il a peur. On est arrivé jusqu'à assimiler fédéralisme et sécession. Non. Actuellement, il y a plusieurs demandes. Il y a une décentralisation effective. Il y a une décentralisation renforcée. Il y a un régionalisme que certains proposent. Il y a un fédéralisme sous quelle forme? Deux États comme en 61, cinq États en regroupant des régions ou à 10 États sur la forme actuelle des régions. Mais ce que je vais dire, oui, c'est qu'il faut que le gouvernement accepte déjà de discuter de cela. Oui. Première chose, parce qu'on l'a fait depuis 60. On n'a fait que discuter de la forme de l'État jusqu'à aujourd'hui. Donc on ne peut pas faire l'impasse dessus, première chose. Deuxième chose... Discuter de la forme de l'État permet aux uns et aux autres de s'exprimer et d'avoir un effet cathartique. Parce que les gens auront l'impression au moins qu'on les a écoutés. Et appeler fédéralisme... Là, je finis dessus. Parler de fédéralisme, de décentralisation, de régionalisme, c'est peut-être des mots, mais le plus important, c'est le contenu. Et à mon avis, le contenu, c'est en fait... donner le pouvoir à la population. À la base. C'est que le pouvoir rentre à la base, tout simplement. Merci beaucoup. Monsieur Mouvou, quand vous entendez embasonner, est-ce que vous vous dites, c'est peut-être possible pour nos téléspectateurs qui ne savent pas ce que ça veut dire embasonner, pour les populations camerounaises qui réclament une sécession, ils veulent proclamer la République qu'on appelle la République d'embasonner. Quand vous entendez cela, est-ce que vous dites, c'est possible, c'est peut-être la solution? Permettez-moi de... C'est le dernier tout le temps qu'on est en train de faire comme ça, en 30 secondes, s'il vous plaît. C'est le dernier tout le temps, alors qu'on aurait dû proposer des solutions. Oui. Bon, je ne sais pas, c'est vous qui conduisez l'émission. Disons que le ministre a dit deux ou trois choses qu'il faut tout de suite régler. Il dit que le processus de décentralisation est en train d'être accéléré. Mais, monsieur le ministre, 21 ans plus tard, c'est incroyable. Et 21 ans, ça correspond à 3 mandats au Cameroun de 7 ans. Vous ne devez pas le dire publiquement qu'on est en train d'accélérer maintenant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous dites que pour régler le problème, on a créé un ministère de la décentralisation. Ça, c'est encore un faux problème parce que ce n'est pas un ministère de la décentralisation qui règle les problèmes de la décentralisation. Avant cela, il y avait un conseil national de la décentralisation sous la houlette du Premier ministre. Il n'y a pas eu solution. Maintenant, répondez à ma question. Comment on sort de cette crise? C'est le 7 octobre. C'est un référendum entre continuer avec la guerre ou l'arrêter. Ceux qui vont voter pour M. Biya auront choisi de continuer avec la guerre. Et ceux qui auront choisi pour le candidat Joshua aussi
auront décidé d'arrêter cette guerre. Parce que Joshua aussi propose quoi? Il propose le fédéralisme. Le fédéralisme, et vous avez dit quelque chose que les Camerounais n'en veulent pas. Vous n'avez pas des statistiques. Et d'ailleurs, son programme politique, il est en train d'expliquer suffisamment qu'est-ce que le fédéralisme et quelle est la différence entre le fédéralisme et la décentralisation. Je vais vous la donner très brièvement pour que les téléspectateurs et les Camerounais comprennent. Le fédéralisme, la différence entre le fédéralisme et la décentralisation, c'est que le fédéralisme est inscrit sur, dans la Constitution. Merci. Alors que la décentralisation dans la Constitution, sera inscrit dans la Constitution. Donc on a compris, voilà. le candidat Joshua Fiss, la décentralisation dépend du bon vouloir d'un homme qui décide que j'attribue ceci à tel ou à tel merci autre. Merci beaucoup, monsieur Mbou, merci beaucoup. Je choisis aussi un programme clair. Monsieur Angou, votre candidat, qu'est-ce qu'il propose pour régler définitivement ce problème de Il faut changer de système. Hein. On n'a pas dit qu'il y a une solution miracle. On constate que les actuels dirigeants ne sont plus en mesure, je l'ai dit. Donc, il va s'agir de changer de système de gouvernance et faire en sorte qu'il y ait un peu moins d'État centralisé, c'est-à-dire au niveau du commandement. Le modèle établi au Cameroun, c'est une république des sous-préfets, policiers, gendarmes qui ont tous les privilèges. Et il y a deux choses au Cameroun aujourd'hui qui dictent leur loi. Il y a la corruption et la répression. C'est sur ces deux paradigmes que l'État fonctionne chez nous. Donc, en changeant de système au soir du 7 octobre, nous pensons également qu'on donnera une grosse chance au Cameroun, parce que moi, je représente ici une personnalité qui n'est pas politique. C'est-à-dire qu'il vient des milieux ecclésiastiques parce qu'on a fait le constat que les politiques, ils ont presque tous échoué. Il ne faut rien à en attendre. Nous sommes épris de paix. On veut la stabilité, ce qui n'est pas le cas pour ceux qui sont là, qui font la sourde oreille et qui n'ont pas voulu faire de dialogue. Alors, je ne sais pas si j'ai fait 30 secondes. Bien plus que ça. Merci beaucoup, monsieur Angou. Monsieur Mbayou, le conseil est très clair, hein, que si on continue avec les mêmes modèles aujourd'hui, on va s'enliser davantage. Alors, qu'est-ce que votre candidat propose? S'il était réélu, il va faire quoi pour qu'on règle définitivement cette situation de crise anglophone? Le président de la République a dit clairement le 11 février, le 10 février cette année, que quand la situation sécuritaire sera maîtrisée, la Commission nationale, la Commission de bilinguisme et de multiculturalisme aura donc la possibilité de recueillir, de servir de cadre de concertation pour pouvoir trouver tous les avis des Camerounais pour régler le problème. Je constate que mon ami de la... Monsieur Voum mélange beaucoup de choses. Parce que quand il dit que la différence entre la décentralisation et le fédéralisme, c'est parce que l'un ou l'autre est dans la Constitution, peut-être il ne lit pas la Constitution. Mais la proposition, tout simplement, est de voter le président de la République qui a l'expérience, qui a prouvé sa capacité de gérer les crises, qui a... L'incapacité. La capacité. Laissez-moi parler. J'ai dit les crises. Il a montré la capacité de gérer les crises. Le président de la République a géré la transition démocratique au Cameroun. Le président de la République a géré le problème de Boko Haram. Le président de la République a géré le problème de tous les problèmes économiques du Cameroun. Donc vous tous, ce qui est la différence avec lui, c'est que vous tous, vous parlez de ce que vous voulez faire, mais vous n'avez pas prouvé que vous pouvez le faire. Merci beaucoup, monsieur Mbayou. Alors, monsieur Asongo, à vous, le dernier mot dans cette émission, au vu de tout ce que vous avez entendu, que ce soit l'un ou l'autre qui gagne les élections, est-ce que le Cameroun a de beaux jours devant lui par rapport à cette crise? Il faut espérer que le Cameroun aura des beaux jours devant lui. Mais je crois que ces beaux jours-là dépendront, d'une part, de la volonté des Camerounais en eux-mêmes. Je pense qu'aujourd'hui, il faut véritablement instaurer au Cameroun une culture de la citoyenneté. Et quand je dis citoyenneté, ce n'est pas la citoyenneté au sens du pouvoir en place, c'est-à-dire une citoyenneté parce qu'on ne critique pas. Une citoyenneté dans le sens de revendiquer, une citoyenneté dans le sens de demander des comptes aux gouvernants, l'accountability, que les Camerounais s'inscrivent dans une logique de pouvoir demander des comptes aussi bien au système en place, si c'est le président Biya qui est réélu, ou alors le prochain président, et qu'il soit
capable de supporter les conséquences. Parce que, et là, je finis là-dessus. Oui. Parce que, je vous assure, ça ne sera pas facile. Il y aura des oppositions et il faudra que le peuple camerounais soit suffisamment prêt pour aller jusqu'au bout de ses revendications et demander des comptes aux dirigeants. Merci beaucoup à nos invités qui nous ont accompagnés tout le long de cette émission. Beaucoup de réactions. Monsieur Mvoua de Manga depuis Yaoundé, Ferdinand Maïga qui est à Paris, Joseph depuis Limbé, Arsène depuis Douala. On aurait pu donner l'étude de tous ces, de toutes ces réactions, mais on en a tenu compte dans la conduite de cette émission. Qu'ils nous pardonnent si on n'en a pas donné lecture. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Quant à vous, chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous vous laissons en compagnie des programmes d'Africa 24 et demain, on sera là pour un autre thème dans cette série d'émissions. À demain.